prochain arrêt, hôpital. Ouverture des portes, côté droit. On a ça à parler, monsieur le petit. Nous connaissons qu'on rigole avec lui. Nos soirées, on a ça à parler. Il n'est pas là, mais pas comme j'étais là. C'est quelqu'un que je ne peux jamais oublier, Marcy, ton grand-père. Jamais oublier. Ah non. C'était mon patron, mais c'était comme si c'était mon père. C'est un battant, hein? Mais là il s'est pas battu. Monsieur Griffo, maintenant je dis toujours monsieur Griffo, je répète ses cônes. Monsieur Griffo disait toujours, monsieur Petit, quand il allait voir monsieur Petit, il était couché sous son lit, il était pas comme d'habitude. Il parlait plus, il disait plus. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous me racontez, monsieur Petit, aujourd'hui? Il me disait, Guilhem, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Je ne sors pas. Et pourtant, même s'il avant, il te racontait, même s'il était pas sorti, il avait toujours quelque chose, une blague à te raconter. Que là, non. Mais moi, je dis merci au bon Dieu quand même, qu'il n'a pas souffert, Marcy. C'est la seule chose que je demandais, c'est tout ça. Et j'ai été contente que tu aies été jusqu'au bout avec lui, la fin avec ton bonheur. Thank you.
Il était toujours sur le bain, mais il n'y était pas. Après, elle nous invitait à l'apéro, elle nous dit qu'elle prenait sa douce. Charles faisait comme elle le pouvait, elle était malade après. Oh. Mais bon, on était brave, papy. On allait tous les deux voir ta grand-mère aux urgences et ma mère après. Parce qu'il y a des horaires, il fallait qu'on s'habille. Là. Ça, je me rappellerai la dernière année. Et puis quand il y avait l'anniversaire de Claude, il fallait qu'il parte acheter encore un gâteau pour le diabète de monsieur. On en a fait des conneries tous.